Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Galou Challenge Rétro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu de gestion de temps intitulé... Attendez, je ne me rappelle plus du titre. Childhood Memory. Enfin, Delicious Emily Childhood Memory, pardon. Donc là, on retrouve notre héroïne Emily. Donc j'avais fait sur la chaîne, il me semble... le jeu qui se passe au moment de Noël, donc je vous invite à le visionner si vous ne l'avez pas déjà vu donc sur la chaîne. Et là donc on retrouve Emily qui va retrouver ses parents en pleine campagne. Et il me semble que on va partager avec elle ses souvenirs d'enfance dans cette maison familiale. Et donc là on s'aperçoit que la maison est en vente. Donc pourquoi ? On va le savoir. Alors, voilà, on y est. Et oui, nous déménageons. Donc les parents, à première vue, ils ont décidé de partir de chez eux. Peut-être de retourner à la ville, je sais pas. Parce que vu que maintenant, ils sont peut-être âgés, ils n'arrivent plus à gérer la ferme tout seuls. C'est bizarre, je pouvais pourtant vous imaginer très très vieux ici. Ah oui, on fait pas toujours ce qu'on veut. La maman, merci beaucoup. Enfin bon, quand elle dit très très vieux, c'est par amour qu'elle dit ça, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, les souvenirs et tout. C'est chez nous ici. Je me souviens parfaitement du jour où on a emménagé. Donc là, on va avoir des flashbacks. Des souvenirs d'Emily. Là, on retrouve les parents le jour de leur arrivée, je pense. On y est, Edouard. Fini les costumes. Fini la pollution. Alors, je me rappelle plus trop, mais parce que là, je crois que celui-ci, ça doit être le cinquième ou sixième volet. Donc, j'essaierai de vous faire les précédents pour qu'on ait la chronologie de l'histoire. Fini le stress de voir mère tous les jours, de voir ta mère tous les jours. Pardon ? Comment ça va là-dedans, ma chérie ? Ça cogne, comme d'habitude. Donc, à première vue, elle est enceinte. Donc, d'un petit frère ou d'une petite sœur. Hein. Edouard, où est Emily ? Tu lui as bien dit de faire attention avec les animaux, au moins. Bien entendu, je lui ai tout expliqué. Ah, la voilà. donc là, faut prendre la photo, voilà. Souvenir capturé. Donc, plusieurs fois dans la partie, il y aura ce genre de petit événement. Donc, il faudra penser à cliquer sur l'appareil photo. Et ça permet donc de rajouter des photos dans l'album souvenir d'Emily. Maman, papa, j'adore cet endroit. Donc là, Emily est toute petite. Coucou mon ange, ça y est, tu as fait visiter la maison à Dolly ? Dolly, je vais la chercher tout de suite. Dolly, il me semble que c'est une poupée. Oui, c'est une poupée, il me semble. Ah mince ! Aïe, on a dû la perdre pendant le déménagement. Ah bah voilà, mince, elle a plus sa poupée, la pauvre. J'irai t'acheter une poupée demain. Quel parent indigne, sa poupée. Mais avec tout ce qu'il nous faut pour la ferme et l'arrivée du bébé, peut-être qu'elle pourrait gagner l'argent de sa poupée en nous aidant à la ferme. Ah, c'est une bonne idée, ça. Bien, et si je t'expliquais comment fonctionne la vie à la ferme, mon cœur ? Je pense que là, on va mettre non, parce que sinon, on va s'enclencher dans un tutoriel. Donc on va comme ça, on va gagner du temps. Je fais non. Voilà, parce que donc ce type de jeu, je connais. Donc, allez, c'est parti. Donc on va attendre les premiers clients, j'imagine. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux, jeune homme ? Deux jus de fruits. Hop. Et voilà, deux jus de fruits pour monsieur. Madame.
Donc là, on voit qu'on a des fleurs en bas. Donc pour l'instant, on en a que deux. On a rose et tournesol. Là, justement, elle veut un tournesol, la dame, et un jus. Parfait. Voilà, on encaisse l'argent. Deux jus de fruits. Parfait. Qu'est-ce qui se passe ? Émilie, viens voir papa tondre le mouton. Ah. Un jour, tu devras t'en occuper toute seule. Allez, Côtelette, on va te rafraîchir un peu. Côtelette. La pauvre. Allez, fais un effort, Côtelette. On nous regarde. Elle a pas trop envie de se faire tondre, la pauvre. Après avoir froid ? Elle va avoir froid. Émilie, tu veux bien la calmer un peu ? Bah, c'est ce qu'elle est en train de faire. Tu te débrouilles bien. Ok. Donc là, faut qu'on la tombe, j'imagine. Ok. Donc là, il y a une barre de progression pour la tombe. Pendant ce temps-là, les autres clients, on va surveiller quand même. Donc lui, il veut une fleur et un jus de fruits. Donc là, on y retourne. On va encaisser les deux, comme ça, ça va nous faire un bonus. Voilà, parfait. On a presque fini de tondre. Débarrasser. Voilà, parfait. Alors, jus de fruits. Nickel. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur ? Que désirez-vous, monsieur ? Deux tournesols, c'est parti. Et madame, on va attendre pour faire un combo d'encaissement. Voilà, donc une rose et un tournesol. Parfait. Hop. Alors, faut faire des combos, mais faut faire attention à l'humeur des clients aussi. Parce que sinon, là, vous voyez, le papy, il avait trop attendu, donc il a mis un pourboire en moins. On a réussi, Millie. Quelle assistante de choc. Quelle assistante de choc, pardon. Par contre, on a oublié de débarrasser. Est-ce qu'on a fait le mode expert? Je sais pas. On va voir. Eh ben si, parfait. Nickel. Donc on va avoir un petit peu d'argent. Voilà. Vous avez désormais accès au catalogue pour acheter les objets pour votre restaurant. Nickel. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? On n'a pas grand-chose, hein, on n'a que 200. Alors, on a quoi? Alors, on peut acheter ça. Un rosier. Édouard et Émilie adorent le parfum des roses et ils se déplacent ainsi plus vite pour le restaurant. Dans le restaurant, pardon. On va prendre ça, de toute façon, on n'a pas assez pour le reste. Ou alors, on peut acheter ça. Fleurs suspendues. Les clients sont d'humeur plus généreuse quand ils voient ces superbes fleurs suspendues sur le porche. On va peut-être plutôt faire ça pour avoir plus de pourboire. Ouais, allez. Hop. C'est parti. Donc la boutique, on vient d'y aller. Sinon, donc pourquoi ça brille? Non, on vient d'y aller, on va pas y retourner. De toute façon, on n'a plus assez. Hop. Et donc on a aussi le bouton souvenir. Donc je pense que c'est le cahier d'Émilie, voilà. Souvenirs d'enfance. Alors, ah ben on retrouve la photo que j'ai faite tout à l'heure à notre arrivée à la ferme. Cool. Tu n'avais que 5 ans, mais rien n'aurait pu t'empêcher de nous aider à la ferme. C'est drôle, déjà à l'époque, tu étais plus douée que nous pour tenir un restaurant. Oui, c'est vrai que plus tard, quand elle est adulte, elle tient un restaurant. Mais voyez, du coup, elle pensait déjà à ça quand elle avait 5 ans. Donc là, on a plusieurs pages à remplir. Ok, bon, on n'y est pas, hein. On continuera l'aventure. Hop. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Tu veux sentir les coups du bébé, Émilie? Ah, la maman qui se repose. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une petite sœur. Cool. Papa,
Je peux t'aider. Quand je serai grande, je veux faire le même métier que toi. C'est un peu tôt, mon cœur. Ah oui, mais des fois, les passions démarrent très tôt. Tu es trop jeune pour travailler dans un restaurant. S'il te plaît. Elle pourrait peut-être ramasser les œufs et nettoyer les tables. Oui, ça devrait être dans ses cordes, je pense. Allez, comme ça, elle va assister son père, elle va être contente. Nouvelle décoration, donc on a mis les fleurs ici, ok. Et on a un nouveau produit, donc des œufs. Et voilà une petite poupoule. Ah bah, elle vient juste de pondre, ok, d'accord. Alors, on va cuire un œuf. Nickel. On va éviter qu'il brûle, d'accord. Ok, donc un œuf et des champignons, nickel. Et madame, elle veut quoi? Hop. Et voilà, comme ça on va faire un combo, parfait. On n'a pas de table à débarrasser, c'est bon. Pourquoi il y a un trou là? On verra plus tard. Que voulez-vous, madame? Dépêchez-vous de commander. Ah, un sandwich. Donc ça, c'est les nouveaux ingrédients. Mince, j'ai oublié le jus de fruits. C'est pas mal, hein. J'aurais pu faire un combo. C'est pas grave. Bon. Ah bah, la poule qui pond. Ça va, hein. Elle pond un peu n'importe où. Les clients pourraient marcher sur les œufs, d'ailleurs. Alors, jus de fruits. Hop, c'est parti. Et monsieur, il veut quoi? Alors, un œuf. Quick. Avec des champignons et un tournesol. Parfait. Là, on va encaisser les deux. Comme ça, on va avoir un combo. La petite Émilie va nettoyer la table. Parfait. Bon, là, il se passe rien du tout dans ce trou. Je sais pas ce que c'est. On le saura peut-être plus tard. Ah, il y a un œuf par terre, là, zut. J'avais pas vu. Que les clients marchent pas dessus. Monsieur, que voulez-vous? Qu'est-ce que je vous sers? Des tournesols. Parfait. On va nettoyer la table. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Il n'est pas décidé. Si. Alors, un jus de fruits, un tournesol. Hop. Et là, la poule, elle a pondu un œuf. Parfait. Pour l'instant, ça va. On a des œufs, on avance. Alors, un sandwich. Et un jus. Peut-être un jus de... À mon avis, c'est jus de grenade et jus de citron, je pense. Dans la logique. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Deux jus de grenade. Allez, hop. Parfait. Donc là, en bas, on a notre barre de progression d'argent. Et progression du niveau, pardon, également. Alors, deux jus de fruits. Ah, il y a une souris là. Pouf. Ah bah voilà, donc les trous, faut qu'on guette. C'est des bonus. D'accord. C'est bon à savoir, ça. Un sandwich pour monsieur. Ça roule. Madame, qu'est-ce que je vous sers? Deux jus de grenade. C'est parti. Parfait. Super, on a atteint le niveau expert. C'est génial. Bon, par contre, je pense que ça va être la dernière cliente. Voilà, un sandwich. Parfait. Et ben voilà.
Niveau rudement mené. Ah ben, j'ai pas eu le temps de ramasser, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a des bonus avec la souris? Je sais pas. Déjà, on va aller dans la boutique. Là, on a pas mal de sous. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Est-ce que j'économise pour avoir des plus belles tables? Augmente la patience des clients attablés grâce à ces nouvelles tables et chaises. Ok. Ça, c'est quoi? Préparez une omelette avec des œufs d'autruche et recevez un pourboire supplémentaire. D'accord. Fleurs de sable. Ces magnifiques fleurs mettent vos clients de bonne humeur. Ah, ça peut être intéressant. Alors, est-ce que je dépense tout ou pas? Oui, allez, go. Soyons fous. On va faire le niveau suivant, donc niveau 3. C'est parti. Alors, je ne sais pas combien je vais faire de niveaux dans la vidéo. Je vais voir. Emily, ma chérie, voici Hunter, le fils des voisins. Et si vous jouiez un peu ensemble? Ah, cool, elle va se faire un ami, c'est cool. Ah, le vélo de bébé, hé hey, il est méchant, lui. C'est pas un vélo de bébé. C'est juste que j'ai encore besoin des roulettes. Bah oui, elle est toute petite, elle a 5 ans, attends. Toi, ça se trouve, t'en as 7. Eh bien, mon chien et moi, on joue pas avec les bébés. Eh ben mince, la pauvre. Bon, bah voilà. Ah, le trou de souris, il est là, faudra qu'on fasse attention. Émilie, tu veux que je t'apprenne à faire du vélo sans tes roulettes? Oui. Cool. Ben moi, c'est pareil, j'ai mis du temps à faire du vélo sans roulettes. Mais bon, c'est différent, j'ai une pathologie, donc c'était plus difficile. J'arrive même pas à faire le tour du restaurant. Ah bah, faut s'entraîner. Il faut juste un peu d'entraînement. Si tu veux que je te pousse, monte sur ton vélo et je t'aiderai, d'accord? Bon bah du coup, pendant le service, il va falloir qu'on aide Emily à faire du vélo, je pense. Et donc là, on a les nouvelles décorations, on a des nouveaux ingrédients, du lait, et on a un plateau qui s'est agrandi, ça c'est cool. Madame, que voulez-vous? Donc du lait et une petite rose. C'est parti. Monsieur. Bah non, je vais encaisser parce que sinon après ça fera pas assez. Hop. Bah pourquoi je peux pas cliquer sur Ah voilà. D'accord. Ah mince, elle a pas été très loin la pauvre. Voilà. Donc on a dit le trou de souris, il est là, donc faut qu'on guette. Il y a le bonus souris. Essayez de faire attention. Mince, j'ai oublié un litre de lait. Genre, je croyais que j'en avais pris 3, mais non. Eh ben, elle a du mal, la petite Emily, avec son vélo. On va faire un œuf. Quick. Oh là là, j'ai le tonnerre ici. J'espère que je vais pas avoir une coupure d'électricité. Tourner et puis avoir de l'orage, j'aime pas ça. Deux litres de lait, ça roule. Parfait. Un œuf. Ah mince, j'ai oublié la petite Émilie. Bon, faut pas que je l'oublie quand même. Quand elle veut faire du vélo, la petite. Ah, la souris. Hop là, ça y est, c'est bon. On va encaisser 2 commandes. Ok, parfait. Ah mince, Émilie. Émilie, hop là, voilà. Que je t'oublie pas, ma petite. Parce que sinon, tu vas jamais apprendre à faire du vélo. Voilà.
faut tout gérer, hein. Madame, que voulez-vous? Alors, hop, hop, je me dépêche. Mince, je voulais pas encaisser. Zut, bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, petite Émilie, j'arrive. Voilà. Bon, on a encore une fois à l'aider pour le vélo, et ça devrait être bon. Un jus de citron. Voilà, parfait. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Mais bon, on est loin du niveau expert. Mais bon, on est qu'à la moitié du temps, donc on a encore un peu de temps. Ah bah voilà, nickel! Elle a réussi. Donc on prend le souvenir. Ses premiers jours de... Enfin, son premier vélo. Et là, maintenant, elle y arrive super bien. C'est trop cool. Voilà, on va avoir une commande de 3 ingrédients. Alors, il nous faut donc un œuf. Avec du champignon, un hop, et voilà, nickel. Parfait. Alors, jus de citron, litre de lait, un œuf à ramasser. Madame, qu'est-ce que vous voulez? Alors, jus de citron, œuf. Jus de citron et lait, pardon. Je suis un petit peu... Eh ben là, on va faire un super combo, là, dis donc. Waouh. Par contre, on n'a plus de table de disponible. Ouais, je me doutais que la poule allait poser son œuf. Pour ça, je la guettais. Est-ce qu'on va avoir une autre souris? Je ne pense pas. On avance. Je sais même plus comment je l'ai mis, en normal ou en facile, je ne sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave de toute façon. Pour l'instant, c'est une vidéo découverte. Parfait. Alors, le jeune homme, il veut un jus de citron et une bouteille de lait. Parfait. On va attendre que eux terminent là pour essayer de faire un combo d'encaissement. Voilà, parfait. Objectif atteint, c'est déjà ça. Ah bah elle se déplace plus vite, hein, avec son vélo. Alors, un sandwich, hein, ça faisait longtemps. Et un litre de lait pour madame. Parfait, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Un litre de lait et un sandwich. Tomate, fromage. Parfait. Mais c'est pas mal tout ça. Ah, un œuf. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils vont commander? Un jus de citron et une bouteille de lait, pardon. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir d'autres clients? Peut-être, je sais pas. C'est pas sûr. À mon avis, ça se trouve. Ah si, voilà. Des nouveaux clients. On va essayer de faire des combos là, parce que sinon, ça va être difficile de faire le niveau expert. Faut surtout pas que j'encaisse tout de suite. Deux sandwichs. Par contre, il va peut-être pas être content, le monsieur. Si, c'est bon. Parfait. Voilà. Ah bah c'est bon. On a atteint le niveau expert. Parfait. Je pense que c'est la dernière cliente. Je sais pas.
Je me disais, mince, faut peut-être que je la serve, et forcément, le plateau sur la caisse, ça marche moins bien. Bon, bah, on s'en est pas mal sorti. Je crois qu'on a fait le maximum en plus. J'espère qu'on va avoir pas mal de sous pour pouvoir améliorer. Déco débloqué, super. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut acheter à la boutique? Donc ça, on l'a déjà acheté. Bah, on va acheter le rosier. Hein. Allez, c'est parti. Et on va se lancer. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait une photo. Les souvenirs d'Émilie. Et donc, c'était... Ah, voilà. Une fois les roulettes retirées, tu passais tout ton temps sur ton vélo. Je me souviens qu'un matin, alors que je venais te réveiller, je t'ai trouvé endormie avec ton vélo dans ton lit. Ah bah ça, c'est trop drôle. Punaise. Ok. Allez, un petit dernier. Maman, papa, j'ai assez pour acheter une nouvelle poupée. Non, ma puce, mais bientôt, c'est promis. Mais je veux une nouvelle poupée, j'ai personne avec qui jouer. Et Hunter, le garçon qui habite juste à côté. Burk, plutôt avaler une abeille. Bonjour, c'est bien vous qui avez commandé une ruche? Oui. À mon avis, Émilie a la peur. La pauvre. Elle vient de parler d'abeilles. Bah oui, forcément. C'est bon, Émilie, tu peux sortir. Tu n'as rien à craindre. C'est quoi la cassette, là? Je vais cliquer dessus pour voir. Donc là, on a notre rosier qui s'est installé. Super. Objet Game House trouvé. Cette cassette contient des informations secrètes sur Campfire Legends, The Babysitter. Bon, à mon avis, c'est un jeu des développeurs Game House. Enfin, des éditions Game House, plutôt. Donc, on verra ça plus tard. Peut-être des astuces, je ne sais pas. On va faire du miel, tiens. Hop, voilà, parfait. À mon avis, elle va peut-être nous en demander. Parfait, bah voyez, j'ai bien fait de faire du miel. Je vais en refaire. Voilà. Nickel. Donc là, hop. Le trou de souris, où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de trou de souris pour l'instant. Enfin, je le vois pas en tout cas. Ah si, là. Ouf, trop tard. Ah mince, elle était au niveau du rosier. Bon, bah ça va être difficile de faire le mode expert sans le bonus, je pense. Ah bon, on va essayer, on verra bien. Ah, c'est dommage. Au moment où j'en parle, elle apparaît et disparaît. Pas de chance. Par contre, elle est plus en... Elle a plus son vélo, Emily, là, du coup. On va refaire du miel. Voilà, bah, j'ai bien fait. Parfait. On va en refaire un. Essayer de gagner du temps. J'ai failli le louper d'ailleurs. Alors, sandwich. Et deux sandwichs, ça roule. Un œuf sur le plat. Avec des champignons. C'est parti. Et madame, un jus de citron avec du miel. Go! Et là, on va faire un super combo. Parfait! Un œuf. Du miel pour monsieur, que je me trompe pas. Un jus de grenade. C'est parti. On débarrasse. Enfin, c'est Émilie qui débarrasse. Bon, je suis dégoûtée d'avoir loupé la petite souris. Peut-être qu'on a une autre chance dans le niveau. Elle va peut-être réapparaître. Mais j'y crois pas trop. Ah, c'est dommage.
en croisant les doigts qu'on va arriver à faire le mode expert du coup, sans le bonus. Que désirez-vous, madame? J'attends votre commande. Alors, un miel. Hop, et un jus de grenade. Parfait. Pour l'instant, on s'en sort pas mal. Est-ce que je vais refaire du miel, tiens? Parce que j'en ai pas d'avance. Bah, j'ai bien fait. J'ai gagné du temps. Hop, c'est parti. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Deux jus de citron. On va attendre d'avoir les messieurs là qui vont payer leur addition pour faire un combo, ce serait bien. Parfait. On va débarrasser. Voilà, nickel. Alors, du miel. Hop, un jus de citron. Une limonade, je sais pas. À mon avis, ça c'est vraiment du citron et ça doit être de la grenade. Je pense. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Alors, du miel et un tournesol. Parfait. Oula, 4 personnes. Bon, déjà, on a atteint l'objectif du niveau. Au moins, on n'aura pas à le refaire. Mais j'aimerais bien atteindre le niveau expert pour avoir un peu plus d'argent pour acheter les améliorations. Voilà. Monsieur. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Une rose et un sandwich. Lui, ce serait bien qu'il se dépêche de commander. Voilà, parfait, ça m'arrange. Comme ça, je vais faire un combo. Alors, pouf. Non, c'est pas ça. Voilà, parfait. Et ben voilà, niveau expert. Suffisait de demander. Par contre, je vais pas avoir le temps de ramasser l'œuf, à mon avis. Il y en avait même deux. Ouf. Bon, bah tant pis. Bon bah écoutez, je pense que je vais... Ah non, on va aller voir ce qu'on peut acheter avant. Pardon. Et après, je vais m'arrêter là. Alors, boutique. On a que 200, zut. Bah du coup, on peut rien acheter. On va garder l'argent pour la suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Galou Challenge Retro. Portez-vous bien.